trouve à l'intérieur du circuit. Il y a des chevaux qui arrivent, ils doivent prendre le rélan dans la rue Ronde. 21e passage avec Peter Pan, le char qui nous vient d'Aineux. Voilà, il y a encore des voisins. Le char d'Aineux à quelques kilomètres à cette dernière. Regardez, 1, 2, 3, 4 chevaux de trait pour arriver à filer ce char. Et il faut prendre le tournant assez large pour que le char puisse passer. Applaudissez, mesdames, messieurs, pour les amateurs de folklore et de bonne humeur, le char de Aineux. Et l'empire totale. Allez, Peter Pan. Je les entendais bien au départ, les amis d'Aineux, faites du bruit! Qui va m'en vouloir de m'être habillé comme ça? Merci les amis, je ne sais pas si vous m'en remercie, mais c'est très bien, je vais commander à cette impression. Le char de Aineux, à peine à quelques kilomètres de Herve, je me rappelle, pour cette bonne humeur, avec Peter Pan pour l'instant. D'ailleurs, il fait partie aussi ce groupe local, parmi les 12 qui se présentent à nous cet après-midi. Il fait également partie, je le rappelle, du concours. Il participe à ce grand concours qui, avec le syndicat d'initiative, peut leur rapporter 350, 500 et même 750 euros. Puisque je rappelle, je le signale à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, qu'il y a tout le long du parcours des membres du jury qui apprécient chaque passage de char local. Alors, il y a le char, bien sûr, l'organisation du char, mais aussi l'ambiance qui se trouve, la tenue des participants. J'essaie de voir si au troisième passage, en tout cas au troisième contrôle par exemple, ils se tiennent encore très bien. Notamment, il faut dire qu'il fait chaud, on a envie de se désaltérer, mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas garder une bonne tenue derrière le char et continuer à mettre de l'ambiance. Mais ça fait partie de nombreux critères qui ont été sélectionnés par les organisateurs et les membres du jury. Attribue des points à chaque char local pour attribuer ce soir aux alentours de 22h lors de la soirée de clôture pour attribuer ces prix de 350, 500 et même 750 euros. Et avec beaucoup de fierté, ils nous présentent l'heure du Rosu.